Allez, viens, chien. Super. Donc, vous avez la batterie, le panneau solaire, l'œuf électrique, et moi, je vous ai emmené un petit régulateur de charge de la batterie, comme ceci. Hop. Des interrupteurs à tirer, et surtout des ampoules LED. En veux-tu, en voilà. Voilà. Vous avez prévu de le mettre là, c'est ça? Ici, ouais. On le met ici. Voilà, nickel. On va le poser dessus. Voilà, hop, sur des vis, voilà, comme ça, ça porte pas dessus. Je pense qu'il faut mettre un peu plus vers toi. Hop, ouais, exactement comme ça, ça là, on est dedans. Je vais juste le fixer. C'est pas que si un coup de vent, il s'envole pas, mais bon, ça devrait pas craindre. Et du coup, ça fait longtemps que vous avez ce panneau là? Ouais, je l'ai récupéré. D'accord. De un copain. D'accord. Ça fait longtemps? Ça fait un an. Ah oui, quand même, un an. Et pourquoi vous ne l'aviez pas installé? Parce qu'on ne savait pas trop comment faire. Vous n'avez pas osé? On n'a pas osé. Exact. Allez, bon, du coup, on va mettre la batterie. Alors, la batterie, il faut qu'on la mette à un coin pas forcément accessible. Il faut que le régulateur qui est là, ça va donner une indication. Donc, il faut le mettre à un coin où on peut recharger des portables. Donc, peut-être par ici, là, sur le régulateur. Ouais. Ouais, on verra bien là, oui. Et on planque la batterie là-bas derrière le meuble? Ça peut être pas mal? Sous la table au fond là-bas. Ça gêne pas? Non, il y a juste la place qu'il faut. 6 trous comme ça. Voilà. Du coup, tu peux me couper, tu peux me couper ici là? Tiens. T'as faim, dis? Ah bah oui, un petit peu. Des petits oignons à la poêle avec des patates sautées, des petits pots de carottes. Ah, ça peut être très très bien ça. Allez, c'est parti. Je me réjouis. Bon, j'espère que j'ai pas fixé le. Le tiroir avec. Non, juste pas. J'ai branché sur le régulateur là, électronique. Ici, c'est la batterie là. Donc, il y a les deux fils de la batterie. On commence toujours par charger la batterie. Si on met d'abord le panneau solaire, on va faire fumer le régulateur. Donc, rouge, bleu là. Et ce régulateur électronique, il fait 12 ou 24 volts en sortie, 30 ampères d'entrée, maximum voltage 50 volts. Donc, c'est génial. Et puis voilà. 390 watts maximum. Voilà, donc on va brancher la batterie. On va bien serrer. Et oh, ça marche, ça. Il y a des trucs qui affichent sur le régulateur, Phil. Ah oui, 12,1. Ouh, ah bah t'es pas très très chargé, mais c'est bien. Et puis là, on a déjà les sorties en 5 volts. Ah, mais super. Ça veut dire que je pourrais brancher mon portable. Ah bah si t'as ton portable qui n'est pas chargé, oui, bien sûr. Batterie. T'as plus de batterie? Nickel, amène-le. Tu le mets dedans. Genre. Nickel. Et là, ça marche. Super. À la table, c'est prêt. C'est va, bah super. Nickel. Ça tombe bien. Oh, génial. Et du coup. La machine à laver. La machine à laver, non. Le sèche-linge, on le met où? Ça, non, il faudra du dehors, quand même. Et puis. Oh, des pétales, de fleurs. Non, mais c'est rigolo. Ouais, donc, ça, c'est de l'onagre, c'est ça? Oui. C'est rigolo. Et ça? De l'onagre, mais en bouton. Un bouton, avec de la bourrache, oh, du basilic. Il y a plein de choses dans cette belle salade. Il fait chaud aujourd'hui. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. Mais là, il fait bon. Du coup, il fait pas trop chaud dans une yourte? Bon, ça va, pour nous, ça va. D'accord. Après, il y a deux, trois petits aliments à conserver. Des fois, c'est un petit frigo, ce sera. Ah oui, un petit frigo. Ben, sur le 220 ou en 12 volts, je pense que ça pourrait. Faudra gérer. Par contre, non, c'est pas mal, pourquoi pas? Des Esquimaux? Non, pas des Esquimaux, c'est que l'hiver, il n'y a pas beaucoup de soleil, mais il n'y a pas besoin de frigo. Donc c'est tout l'été que tu en as besoin du frigo. Ouais. Et c'est là qu'il y a du soleil sur le panneau solaire, donc c'est là que tu auras de l'électricité disponible. Mmh. Donc je pense que ça peut coller. Il faudrait voir, même avec une batterie comme ça, je suis sûr que ça marcherait. Mmh. Bon, bah super, un petit café puis on redémarre. Moi, okay. Je bois pas de café. Tu bois pas de café? Ah, un petit café, allez, d'accord. Tu devrais en prendre parce que là, je trouve un petit peu mou, là. Ouais. C'est pas grave. Alors, 12,1, c'est la valeur de c'est la charge actuellement de la batterie. Ensuite, si je rappuie, j'ai la valeur maximum à laquelle la batterie va être chargée. Au-delà, ça va couper.
Et ensuite, j'ai une troisième valeur qui est 11,1. C'est si je descends dans la batterie en valeur, ça va couper à 11,1. Et puis, ça va remonter. Si ça remonte à 12, seulement je pourrais retirer du courant. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a comme mode fonction? 24 heures, ben ça c'est normal, sinon c'est en manuel. Et puis après, il y a B3. B3, alors c'est écrit ici, c'est des B3, c'est des batteries à l'acide. B1, c'est des batteries scellées. B2, c'est des batteries gel. Et 3, acide. Voilà. 1, hop, hop. B2, B3. Voilà, donc si je veux changer les paramètres, je me mets dessus. Donc là, c'est la valeur de coupe, donc j'appuie longtemps. Voilà. Donc c'est 11,1. On sait que plus on descend, on vide une batterie, plus elle s'abîme. Du coup, je pourrais décider, faut appuyer, hop, clignoter. Voilà, et je peux décider, du coup, elle va couper à, pas 11, mais 11,3. Donc, on aura moins de puissance disponible, mais on aura une sauvegarde plus intense de la batterie. On pourra recharger, la batterie pourra faire plus de cycles. Plus les cycles sont profonds, plus on décharge la batterie, moins on pourra faire de cycles de charge-décharge de la batterie. Voilà. Du coup, ben, il ne reste plus qu'à brancher les panneaux et voir ce que ça donne. Super, donc ça, vous avez pris avec du 2,5 en deux fils, c'est très bien. Il ne reste plus qu'à le passer. On le passe là-dessus. T'es là? T'es de l'autre côté, là? Ouais. Fil, tu vois le fil? Ouais, je vois le fil. Allez. Ouais, je l'ai. Super, tire un coup. Voilà. Pas plus. Ok, super. Et du coup, après, vous avez prévu, vous mettrez une grosse gaine étanche, oui, pour l'enterrer. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne idée. Ah oui, c'est une bonne idée de l'enterrer. Pour les manips. On va tout faire avec une couverture sur le panneau pour ne pas faire trop de courant électrique. J'aime pas trop toucher ça. Alors là, normalement, une connectique spéciale, mais on va le dénuder. Du coup, il ne reste plus qu'à brancher ça dedans. On va les isoler séparément. Alors, on va brancher. Voir la tension à vide des panneaux. Hop. Vas-y, enlève pour voir la couverture, Filou. Voilà. À 40 volts, là, en plein cagnard. Donc il ne reste plus qu'à brancher de l'autre côté. Donc le plus sur le plus. Hop. J'ai une petite pince verte. Une petite pince coupante. Là, il y a la bleue, là. Oui. C'est ce que je disais, verte. Bleu clair, tu sais quoi. Je rigole. On va remettre la vis. Hop. Vas-y, enlève la couverture. Oh, voilà, ça a pris 12,4 direct. C'est tout, mais... On va mesurer quand même. Là, on est à 14,4. Ok. Et puis alors là, j'ai une pince ampérométrique, mais qui mesure les ampères, mais en continu, ce qui est assez rare. DC, je mets le 0 et je mets dedans, hop. Et là, j'ai 4,9 ampères. 4,9 ampères x 12 volts, donc 5 x 12, 60 watts. Et si je mets ma main là, sur le panneau, et ça fait chuter. Hop. Encore. Super. Vas-y, file, à toi. Ouais, bon. Attends, super. Ouais, donc on a acheté 5 petits interrupteurs à... comme ceci. Quand on tire dessus, ça allume. Ça évite d'avoir du fil jusqu'à l'interrupteur. C'est du fil électrique jusqu'à l'interrupteur. Il faut juste avoir de la ficelle qui monte jusqu'à l'interrupteur. Comme ça. Voilà. Avec 5 ampoules LED 12 volts qui consomment 1,8 watts. Donc c'est en lumière chaude. Voilà. On va voir, mais c'est très agréable ça. Et puis on a surtout acheté des petits supports comme ça pour mettre directement l'ampoule dedans. Voilà. Donc là déjà on a l'ampoule. Avec un petit fil de fer, on va pouvoir se faire un flexible pour diriger le halo de lumière. Voilà. Donc pour 50 euros, on a toute l'électricité, enfin on a tous les conducteurs et luminaires interrupteurs de la yourte là. Donc dénuder un peu de fil de cuivre. Voilà.
pour tenir l'ampoule. On va faire un premier tour serré, un deuxième tour, hop, voilà. Là, du coup, je vais l'entortiller comme ça. Voilà, là, c'est joli. Jusqu'au bout, hop. Voilà. Voilà, ça c'est l'interrupteur. Une ficelle, hop, on va peut-être raccourcir la ficelle au-dessus de la porte, voilà, hop, on rentre, on tire la ficelle, et hop, voilà, toc, on n'avait pas prévu assez de fil, du coup c'est fil, filou, fil, que d'aller chercher un peu de câble, bon, on va en profiter pour faire une petite visite du jardin, allez, on pourrait. Il y a du grillage, mais Marion, elle fait des barrières en osier, donc elle plante des bouts d'osier, et après ça fait une barrière, donc c'est joli. Donc ça, tu as planté du saule. Je plante le saule à l'hiver. D'accord, et après ça pousse. En hiver. Ok. Et ça pousse. En plus, il n'y a même pas de ligature, ils sont juste croisés, c'est ça? Ligature. Ah oui, non. D'accord. Du coup, tu as des hérissons? Oui, a priori, on a un couple. D'accord, super. Alors ça c'est quoi ça? On dirait c'est un arbre tressé, c'est ça? C'est une colonne, ouais. Une colonne en osier tressé. Vivant, bien évidemment. Vivant. Génial. T'as tressé et puis après t'as planté, c'est ça? Non. T'as planté et t'as tressé après. J'ai planté et tressé en même temps. D'accord. Puis ça va grossir. Impressionnant. Du coup après le tronc va se serrer, c'est ça? Mm-hmm. Ils vont se souder. Nickel. Allez, bon ben, j'ai branché un interrupteur. Surprise. 1, 2, 3. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Punaise. Bon, on va changer l'interrupteur. Ça, produit chinois, garanti. Hein, c'est écrit quoi? Interrupteur à tirette Gérard Sudron. Paris, depuis 1894. Produit européen. Ben franchement, je préfère largement les chinois. Le premier, attention. Ah, ça marche. Bon, et ben, il ne nous reste plus qu'à tester tous les interrupteurs, savoir lesquels sont les bons et les pas bons. Ah, ça c'est beau. Yes. T'es où, Barnabé? Je suis là. Je suis en train de mettre une petite lumière dans le sous le vent là, pour tes chaussures. Ah, c'est sympa ça. Ah, c'est Marion qui a fait ce tabac-jour là. C'est rigolo avec une brique de lait. Nickel. Et ça, c'est pour... Sympa comme sonnette. Bon, ben voilà. Toutes les ampoules fonctionnent. C'est génial. Là, normalement, lampe tempête, c'est fini. bilan des courses, ça marche bien. C'est juste que sur 8 interrupteurs, il y en avait 2 qui étaient cramés, qui ne marchaient pas. Donc, ça fait quand même pas mal de déchets. Puis c'est cher, hein, c'est 4 € pièce. Donc, je suis un peu déçu. Mais c'est pas grave, match nul France-Chine, celui-là de régulateur de charge, il marchait pour les ampoules mais il marchait pas pour le convertisseur de 120 volts. Dès qu'on branchait le convertisseur de 120 volts, tchou, il s'éteignait. On a dû le changer. J'en avais un brave, mais c'est un 10 ampères, donc normalement ça va être un peu limite en puissance, mais ça sera l'occasion de voir. Allez, c'est parti. Tu peux essayer? Vas-y. Allez. Oh, c'est beau. Deux. Nickel. Et un petit pixou. Allez. Génial. T'en as de la chance. Du coup, là, le converteur est branché à vide. Du coup, il consomme juste 0,6. 0,06 ampères en continu. Si je l'allume, le ventilateur du convertisseur de 120 volts, on monte à 1,15 ampères. Là, si je branche le chargeur pour recharger les piles du micro, voilà, on passe à 1,22. Et puis j'aimerais aussi charger la pile de la caméra, voilà, et là on monte à 1,75. donc en gros on est en tout à 7 x 12,
On est à 20-25 watts. Voilà, donc là, la batterie indique 12.3, 12.2, donc on pourra tout charger avant de faire quoi que ce soit. Super, première utilisation. Ouais, tu vois. Ouais. T'as bien fait de venir. Et puis, sinon, on n'y verra rien là. C'est vrai. Non, mais vous avez une petite ampoule? Une petite ampoule. Vous avez une petite lampe? Elle est là, la petite lampe? Les petites lampes qu'on avait avant? Bah après, ça se rechargeait avec du 220. Ouais, mais ils avaient mis du solaire. Oui. Avant, on avait ça. Ah ouais, d'accord. Ouais. On essaye? Alors, si je coupe là. Ah, c'est pas lui? C'est lui. C'est le général. Général! Ouais, c'est pas la même ambiance. On la mettait comme ça un peu. Alors, ah ouais, ça faisait comme ça. Ben là, tu vois, on voit une sacrée différence. Mais par contre, la lumière est plus chaleureuse, ça fait une autre ambiance. Bon, bah, super, ça marche vraiment bien. Bon, ben, on se dit à une prochaine fois, Philou Dac. Tu vas pouvoir dormir avec ta lampe de chevet. Super. Bon, bah, nickel. Et bon, on se dit. Allez, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne route. Ouais, merci beaucoup, Barnabé. Et puis, économise un peu la lumière, hein. Ouais. Bon, bah, ça fait 3 mois, du coup, c'est cool. Ah, c'est super. On a de la lumière partout. Ça c'est cool. Et puis on a installé un petit frigo, une petite génial. Glacière électrique qu'on démarre le jour quand il a fait très chaud. D'accord. En 12 volts ? En 12 volts, qui permet de garder au frais le beurre, le lait, quelques petits aliments. Ah bah génial, génial. Mais bon, ça redescend, donc ça garde pas très longtemps le froid. On D'accord. voit bien que l'isolation est pas top. Ah oui, c'est sûr que là c'est donc fin. On a prévu de faire une boîte en bois avec de la laine de mouton. Ah génial. Pour réisoler la glacière. Ça. Du coup, ça elle restera froide plus longtemps. Et oui. Ah, c'est une bonne idée ça. Et donc on a aussi installé pour l'ordinateur un transformateur qui passe de 12 à 19. Ah oui, d'accord, vous avez un transfo directement 12-19 pour l'ordinateur. Voilà. Ah génial. Donc ça c'est super. Donc ça nous permet de ne plus utiliser l'onduleur. D'accord. Et on a fait pareil pour les enceintes. Avant on avait des enceintes qu'on branchait sur l'onduleur. Ah oui. Puis on s'est offert une petite enceinte 5 volts qu'on branche directement sur le régulateur grâce à une prise USB. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est génial. On a commandé une clé 3G qui nous permettra d'avoir internet par la 3G pour une dizaine d'euros par mois. Directement là comme ça, sans passer par... Une clé 3G que tu branches par USB sur l'ordinateur et qui capte la 3G. Génial. Du coup, vous avez l'électricité, la musique, les films, bientôt internet, il manque rien là. Non, c'est super, mais bon, on attend la machine en 12 volts. Hein. La machine? Bah, la machine à laver. Bien sûr.